France Bleu La Rochelle. Les experts, le dossier du jour. On parle des retraites aujourd'hui avec Caroline Baudry de la CARSAT. Bonjour. Bonjour. Et François Galocher, spécialiste des retraites complémentaires. Vous bossez pour l'organisme Clésia, je crois, si je ne me trompe pas. Bonjour, François Galocher. Tout à fait, bonjour. Bonjour à tous. Un thème va nous intéresser aujourd'hui, ce qui ne nous empêche pas de traiter tous vos cas particuliers, hein, si nécessaire. Vous, les auditeurs, les auditrices, vous venez nous voir. Hein. On est toujours là pour vous dépanner au 05 46 50 67 68. Mais il y a ce thème aujourd'hui que nous allons traiter. On va parler des pensions de réversion ensemble au 05 46 50 67 68. Avant de démarrer avec notre thématique, comment se déroule la période pour vos services? On sait que c'est compliqué, qu'il y a des choses particulières qui sont parfois mises en place. Caroline Baudry? Alors, effectivement, compliqué, non, puisque la CARSAT assure une continuité de service depuis le début du confinement, depuis le mois de mars. Donc, on continue à traiter et à payer les retraites et on peut également recevoir les gens sur rendez-vous. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site l'assurance-retraite.fr ou nous contacter au 3960 pour qu'on puisse vous accompagner dans la réalisation de vos démarches. Surtout, ne reportez pas votre départ en retraite au vu du contexte. Hein. On a une continuité de service. François Galocher, de votre côté, situation oui particulière, mais les choses se font. Il en est de même. Ouais. Hein, nous sommes la plupart tous en télétravail, mais on assure la continuité de service. Et donc encore une fois, appelez les SICAS au 0820 200 189 pour toute demande de retraite. Hein. La période est particulière, mais il y a toujours des demandes de retraite à liquider. Donc ne pas hésiter. On va donc évoquer maintenant notre thème choisi pour cette émission dans les experts de France. Bernard Rochelle, je vous rappelle que vous avez la possibilité de nous rejoindre au 05 46 50 67 68. On parle de la pension de réversion ce matin. Qu'est-ce que c'est la pension de réversion? J'ai fait une présentation rapide là tout à l'heure en ouverture d'émission. Caroline Baudry, vous allez faire ça mieux que moi, j'en suis certain. Oui, alors c'était très bien résumé, Eric. Hein. C'était tout à fait ce que vous avez pu indiquer. À savoir que la pension de réversion correspond à une partie de la retraite de base, mais également complémentaire, dont bénéficiait ou aurait pu bénéficier votre conjoint ou ex-conjoint et qui peut vous être versée sous certaines conditions. Donc, au niveau de la CARSAT, il y a des conditions que je vais vous énoncer et qui ne seront pas les mêmes côté des retraites complémentaires que François vous d'accord. indiquera. Alors, quelles sont les conditions d'attribution de la pension de réversion pour vous à la CARSAT? Alors, à la CARSAT, donc, il y a trois conditions pour pouvoir bénéficier de la pension de réversion. Il y a tout d'abord une condition de mariage. Vous devez avoir été marié avec la personne décédée. Le PACS et le concubinage ne fonctionnent pas. D'accord. Ça, c'est une première condition. La deuxième condition, il y a une condition d'âge. Vous devez au moins avoir au moins 55 ans. Et une troisième condition, qui est une condition de ressources, il y a un plafond à ne pas dépasser. Pour une personne seule, au 1er janvier 2020, ce plafond est de 1 759 € par mois. Et pour un couple, dans le cas où vous seriez de nouveau remarié ou en concubinage, de 2 815 € par mois. Donc trois conditions, âge, mariage et ressources. Voilà, ça concerne, et vous l'avez dit, Caroline Baudry, la CARSAT. Voyons quelles sont les conditions d'attribution de la pension de réversion pour l'AGIRC Arco, François Galocher. Oui, alors, on a beau avoir été salarié, on voit que les conditions sont différentes, aussi bien pour la CARSAT comme pour les complémentaires. Alors, sur la condition d'âge, elle est identique depuis le mois de janvier 2019, et identique également pour un cadre ou pour un non-cadre, parce que depuis cette date-là, il n'y a plus de différence. Donc, 55 ans. Nous sommes un petit peu plus généreux en sens que si le bénéficiaire, quand on dit 55 ans, c'est évidemment l'âge du conjoint survivant, hein, pas de la personne qui est décédée. Si le bénéficiaire donc est invalide au moment du décès ou lorsqu'il a au moins deux enfants à charge, il y aura un versement immédiat de la reversion AGIRC Arco. Autre grosse différence, nous, il n'y a pas de condition de ressources. C'est-à-dire que systématiquement, le conjoint survivant pourra prétendre à une pension de reversion. Par contre, là, il y a une différence qui est liée justement à l'absence de condition de ressources. Il ne faut pas que le conjoint survivant se remarie.
on supprime la pension de réversion. On parle de la pension de réversion avec éventuellement vos questions aussi au 05 46 50 67 68. Déjà beaucoup de questions qui arrivent et des cas particuliers aussi. On va les traiter dans un instant sur France Bleu Rochelle juste après avoir écouté Benabar. Ça, c'est l'effet papillon. Le battement d'aile d'un papillon quelque part au Cambodge déclenche sur un autre continent le plus violent des orages. Le choix de quelques-uns dans un bureau occidental bouleverse des millions de destins, surtout si le bureau est ovale. Il n'y a que l'ours blanc qui s'étonne que sa banquise fonde. Ça ne surprend plus personne de notre côté du monde. Quand le financier s'enrhume, ce sont les ouvriers qui toussent. C'est très loin la couche d'ozone, mais c'est d'ici qu'on la perce. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Pourtant jolie comme expression, petite chose, dégât immense. Qu'on l'appelle retour de flamme ou théorie des dominos, un murmure devient vacarme, comme dit le proverbe à propos. Si au soleil tu t'endors, de biafine tu t'enduiras. Si tu mets une claque au videur, courir, très vite tu devras. Si on se gave au resto, c'est un fait, nous grossirons. Mais ça c'est l'effet cachalot. Revenons à nos moutons, à nos papilles, un hôtel, un après-midi, aventure extra-conjugale, puis le coup de boule de son mari. Alors, si ton nez te fait mal, c'est l'effet papillon. C'est normal, fallait pas te faire choper. Si par contre t'as mal au front, ça veut dire que c'est toi le mari trompé. Avec les baleines, on fabrique du rouge à lèvres, des crèmes pour filles. Quand on achète ses cosmétiques, c'est au harpon qu'on se maquille. Si tu fais la tournée des bars, demain tu sais que t'auras du mal pour récupérer à 8 heures ton permis au tribunal. C'est l'effet papillon, petite cause, grande conséquence. Jolie comme expression, petite chose, dégâts immense. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Le papillon s'envole, le papillon s'envole, tout bas de l'aile. Les bonnes années Benabar. Celles d'aujourd'hui sont bien Benabar, mais petit moment de nostalgie pour moi avec l'effet papillon. C'était Benabar donc sur France Bleu. Il est 9h40, sont les experts de France Bleu La Rochelle. L'expert du jour, France Bleu La Rochelle. Vos questions, 05 46 50 67 68. Oui, je disais, ce sont les experts, car ils sont deux aujourd'hui pour parler des retraites. Il y a Caroline Baudry, vous connaissez bien, de la CARSAT, et François Galochet aussi, qui est là pour nous accompagner des retraites complémentaires. On parle de la pension de réversion ce matin, c'est notre thème. On va y revenir dans un instant, avec éventuellement vos questions, au 05 46 50 67 68. Mais on traite aussi tous les cas particuliers dans cette émission. Vous êtes toujours les bienvenus. Et nous avons Catherine en ligne de Cognac. Bonjour Catherine, on vous écoute. Bonjour. Voilà, je suis pour une question. Voilà, je suis à la retraite depuis le 1er octobre. J'ai 66 ans et j'ai
j'ai fait ma démarche pour ma demande de retraite en temps voulu. Et sur le plan de ma pension de retraite, ils m'ont estimé que je devais toucher 545 euros et je n'ai que 238 euros. Et ils me disent toujours, c'est une estimation, on vous envoie des imprimés, mais je reçois jamais rien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à Catherine pour la rassurer, peut-être là ? Alors, est-ce qu'il s'agit de votre retraite de base ou de la retraite de réversion, déjà, dans un premier temps ? Ah, c'est la retraite de base, de mon travail. Voilà, et vous percevez en parallèle une retraite de réversion ? Non. Non, pas du tout. Donc là, vous avez reçu votre notification de retraite ? Oui. Et donc, de la CARSAT, également des retraites complémentaires ? Je touche 70 euros de retraite complémentaire parce que j'étais employée de maison, j'ai travaillé dans les vignes, voilà. Mais pour le moment, ce qui m'inquiète, c'est que je ne reçois jamais d'imprimé, comme ils me disent. Alors, vous allez recevoir normalement la notification de retraite, une fois que votre dossier est terminé, qui vous indiquera le montant que vous allez percevoir tous les mois. Et cette notification de retraite est adressée automatiquement à votre retraite complémentaire pour que la retraite complémentaire vous verse ce qu'elle vous doit également. Mais j'ai que 70 euros. Alors là, je ne sais pas si c'est normal, je ne sais pas. Alors, ce que je vous propose de faire, soit vous vous rendez, si vous avez internet, sur le site l'assurance-retraite.fr. À partir de votre espace personnel, vous avez un service qui s'intitule « Poser ma question ». Vous pourrez poser votre question et un conseiller regardera directement votre dossier pour pouvoir vous répondre. Puisque là, moi, à l'antenne, je n'ai pas accès à votre dossier. Non, mais le problème, voilà, c'est que je n'ai pas internet et quand je demande... Alors, dans ces cas-là, quand on n'a pas internet, qu'est-ce qu'on peut faire, Caroline ? Voilà, eh bien, vous pouvez contacter le 3960, qui est notre plateforme téléphonique, et un conseiller vous accompagnera et vous aiguillera, effectivement. Ils me disent toujours, votre dossier est en cours, on vous envoie des imprimés. Et ce qui m'inquiète surtout, c'est que quand j'ai fait ma demande de retraite, c'est pas la même personne qui a fait mes papiers. Ce que je vous propose, puisque bon, vous avez déjà contacté le 3960, vous êtes en attente d'informations, vous laissez vos coordonnées hors antenne, votre numéro de téléphone et votre numéro de sécurité sociale, et je vous propose de vous recontacter dans la journée pour voir un petit peu avec vous ce qu'il en est sur votre dossier. Eh ben voilà, on va faire ça. Ah oui, mais c'est-à-dire que on va vous recontacter à un moment donné, Catherine, on va traiter ça hors antenne parce qu'on va essayer d'avancer sur cette émission avec Janine. On va prendre Janine de Saint-Palais-sur-Mer. Mon cher Frédéric à la réalisation technique aujourd'hui. Bonjour, bonjour Janine. Monsieur, oui. Bienvenue. Et avec vous, on va en partie parler de notre thème du jour, la pension de réversion. On vous écoute, Janine. Oui. Alors moi, mon mari est décédé l'an dernier. Je touche la pension de réversion, c'est-à-dire la sécurité sociale et la complémentaire. Le problème, c'est qu'on a été indépendant, donc on a eu un commerce, et cette retraite, je n'arrive pas à la toucher. Alors, maintenant, les retraites des travailleurs indépendants sont prises en charge par la CARSAT. Depuis le 1er janvier 2020, la CARSAT est compétente pour traiter et payer les retraites des travailleurs indépendants. Oui. Donc, vous avez fait votre dossier auprès de la CARSAT ? Tout à fait. Et à plusieurs reprises, je les ai contactés, soit par téléphone, soit par courrier. J'ai toujours eu des réponses. Mais lorsque j'ai téléphoné, on reprend votre dossier, on s'en occupe. Et à ce jour, je n'ai toujours rien. Et le dernier courrier, je peux vous dire, dernier courrier, il s'agit du 5 novembre dernier, la date de la CARSAT à Limoges, et on me dit, vous devez faire connaître à ce régime toute modification, j'ai pas de modification à donner, tout a été fait. Donc vous avez adressé les documents qu'on vous demandait éventuellement ? Tout à fait. D'accord, donc effectivement, vous les avez renvoyés à quel moment ? Oh bah écoutez, je les ai même envoyés en recommandé il y a quelque temps et bon ils les ont bien reçus, j'ai toujours eu une réponse. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme l'auditrice, j'ai pas accès non plus à votre dossier. D'accord. Laissez vos coordonnées hors antenne pour que je vous recontacte et que je vous donne l'information sur votre dossier sur la pension de réversion des travailleurs indépendants. D'accord, c'est gentil, merci beaucoup. Merci Janine, bonne journée à Saint-Palais-sur-Mer. On va continuer de vous écouter, vous êtes nombreuses à vouloir nous joindre, à discuter avec nos invités. On va vous écouter dans un instant, c'est le 05 46 50 67 68. On parle des retraites avec Caroline Baudry de la CARSAT et François Galochet également, qui est toujours en ligne avec nous. Il y a une question qui est assez récurrente souvent, François Galochet. Si la personne décédée a eu plusieurs conjoints, comment est calculée la pension de réversion, François Galochet ?
Ou alors, c'est, si la personne a été mariée plusieurs fois, il faut retenir que cette pension de retraite de reversion sera partagée mais entre le conjoint survivant, s'il y en a un, et les ex-conjoints. Et l'idée, ça va être proportionnel à la durée de chaque mariage. Tout simplement. Donc, en fait, chaque ex-conjoint est légitime à demander une partie de la reversion de la personne décédée. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission. Les experts de France Bleu La Rochelle, il est 9h46. France Bleu. Depuis toujours, France Bleu soutient les artistes français et le prouve une fois encore. Dès vendredi et pendant 3 jours, découvrez ce soir ensemble le nouveau live de Patrick Bruel. Centre-ville, le nouvel album de Calogero. Penso Até, le nouvel album de Claudio Capeo. Ces artistes incontournables ont choisi France Bleu pour vous présenter leur nouvel album. Patrick Bruel, Calogero, Claudio Capeo. France Bleu soutient les artistes français. France Bleu, 100% d'émotion. France Bleu La Rochelle vous facilite la vie pour vous éviter. Veuillez ne pas quitter, une hôtesse va répondre à votre appel. Le guichet des services, 2 minutes d'infos pratiques, 2 bons plans locaux pour vous aider dans vos démarches quotidiennes. Service vous sera facturé 3 euros plus le prix normal de l'appel. Mais non, c'est gratuit et c'est à 8h40 du lundi au vendredi. Et le guichet des services est en réécoute et en podcast sur France Bleu. Le guichet des services avec Eco 017 à Sainte. Votre spécialiste en économie d'énergie, chauffage, climatisation, autoconsommation. Une équipe dynamique à votre service. Il est 9h47 sur France Bleu La Rochelle. Les experts, le dossier du jour. On parle de la pension de réversion avec Caroline Baudry et François Galochet, nos spécialistes que vous interrogez au 05 46 50 67 68. Bonjour Pascal, au mat. Oui, bonjour. On vous écoute Pascal. Oui, excusez-moi, j'ai pris l'émission en cours de route, donc oui. J'ai pris un moment qui devait certainement m'intéresser, mais j'ai pas tout entendu. Voilà, je touche la réversion de retraite de mon ex-mari depuis 5 ans. Là, je vais prendre ma retraite, il faut que je la demande au mois de janvier pour prendre ma retraite au mois de juillet. Quand j'interroge ma CARSAT, on me dit que l'estimation du montant de ma retraite complémentaire et retraite CARSAT confondue, ça va me faire 1491 euros net par mois. Est-ce que je bénéficierai toujours? Alors, de la retraite complémentaire, j'ai entendu, de mon mari, oui, mais de la retraite CARSAT de mon mari, non, la réversion. C'est ça, je vais dépasser. Ça. Ouais. Alors, on va essayer de vous éclairer, ça va être l'occasion de rappeler peut-être des choses qu'on a pu dire, mais il est bon de rappeler les choses, histoire que ça imprime bien, comme on dit, dans la tête. Caroline, François Caroline, qui prend la parole là-dessus. Sur la partie complémentaire, je confirme en effet que, comme il n'y a pas de condition de ressources, la liquidation de votre pension n'aura pas de conséquence sur la continuité de la reversion à GERCARCO. D'accord, donc ça, j'avais bien entendu. Voilà, la partie CARSAT, effectivement, il y a un plafond de ressources à ne pas dépasser. Et ce plafond de ressources, au 1er janvier 2020, est de 1 759 euros par mois. Ça veut dire que votre pension de réversion, en fonction du montant et du montant de votre retraite de base, ne devra pas dépasser ces 1 759 euros. Donc, il se peut que votre pension de réversion soit réduite par rapport à ce que vous percevez aujourd'hui pour ne pas dépasser ce plafond de 1 759 euros par mois. Et ça, vous parlez en brut ou en net? Parce que c'est du brut. C'est du brut, Pascal. Oui, parce que, d'accord, ok. Donc, voilà, mais de toute façon, quand on va faire votre dossier de retraite, vous recevrez une notification avec le montant de votre retraite de base et le montant de la retraite de réversion, et on vous indiquera si elle a été réduite du fait de vos ressources ou non. Tout ça sera indiqué sur votre notification de retraite. Voilà, Pascal. D'accord. Allez, merci, du courage. Je vous remercie beaucoup. On sait que c'est pas toujours facile avec toute cette paperasse, comme on dit, de monter les dossiers. On est là, dans les experts, pour vous aiguiller. La pension de réversion, la suite de votre émission avec Caroline Baudry et François Galochet. C'est juste après Amir qui arrive maintenant sur France Bleu La Rochelle. On verra bien au rayon de la musique qui va bien pour le matin sur France Bleu La Rochelle. Belle journée dans les deux Charentes. J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes.
c'est que bien souvent, le bien se trouve dans le malheur. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on est sûr de rien. On verra bien. Le cœur est magique, il recousse ses blessures au fil doré. Cherche la lueur et insiste, t'es encore plus beau rafistolé. T'as l'impression qu'il t'affronte, rassure-toi ses plans sont parfaits. Je vois la vie comme un conte, où jamais le méchant peut triompher. C'est qu'un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année, ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé. La lumière est là, ferme les yeux pour mieux la voir. On verra. Dans chaque fin, on verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. On verra bien, c'était Amir sur France Bleu La Rochelle. L'expert du jour, France Bleu La Rochelle. Témoignage, 05 46 50 67 68. C'est la dernière ligne droite de notre émission consacrée ce matin aux retraites. On parle plus particulièrement de la pension de réversion, mais on traite aussi tous les cas particuliers. Et en voici un cas particulier, celui d'Anne-Marie à Sablonceau. Bonjour Anne-Marie, bienvenue. Oui, bonjour. Caroline Baudry de la CARSAT et François Galocher des retraites complémentaires vous écoutent. Alors, mon souci, je suis en train de préparer mon dossier retraite et la CARSAT ne trouve pas mes trimestres pour un enfant. La caisse d'allocation familiale lui fournit un trimestre de 1986, elle est née au mois d'octobre, ma fille, donc un trimestre en 86 et il ne trouve pas les autres trimestres. Alors, c'est quand même étonnant parce qu'on me demande les revenus de mon ex-mari. Il était commerçant. Donc, voilà. Bon, moi, je n'arrive pas à retrouver ces dossiers. On me demande les déclarations de ressources qu'il a fait auprès de l'URSSAF. Et puis, j'appelle l'URSSAF, je tourne en rond, on me balade. Et puis, comme je ne suis plus son épouse, comme il n'est plus en activité, donc voilà. Comment se fait-il qu'on ne me trouve pas ces trimestres-là? Alors, qu'est-ce qu'on peut lui dire à Anne-Marie, François et Caroline? Alors, il y a deux choses. Hein. La première chose, c'est qu'effectivement, à partir du moment où vous avez eu des enfants, à partir de votre livret de famille, on peut vous valider des trimestres à la fin de votre relevé de carrière. Donc, à savoir 8 trimestres par enfant. Donc, ça, c'est une première chose. Et ensuite, il y a une deuxième chose dont vous faites mention. Effectivement, c'est que quand vous avez eu des enfants, en fonction de vos revenus, la CAF a pu verser pour vous, au titre des parents au foyer, des cotisations et donc qui sont reportées sur votre relevé de carrière. Donc, ça, pour cette partie-là, la CARSAT, malheureusement, n'a pas de justificatif. Et effectivement, il faut voir avec la CAF ou
avec l'URSSAF pour que nous, on puisse vous reporter cette période-là. La CARSAT ne reportera qu'à partir du moment où nous aurons les justificatifs en notre possession. Donc, il y a vraiment deux choses. Hein. Le livret de famille pour qu'on vous reporte les 8 trimestres par enfant en fonction du nombre d'enfants que vous avez eu. Et puis, les années où vous avez été parent au foyer, où là, la CAF a pu cotiser pour vous. Et dans ce cas-là, effectivement, ça a pu vous ouvrir des droits et des trimestres. Donc, il faudrait reboucler avec la CAF hein, pour voir avec eux, effectivement, cette année-là. Hein. Ils me demandent l'attestation de revenus ou les cotisations que mon ex-mari a versé à l'URSSAF. Et à l'URSSAF, voilà, en 86, 87, 88, je tourne en rond et je n'obtiens rien. Ouais, je comprends bien, mais effectivement, là, la CAF doit nous informer ou vous devez obtenir les justificatifs qui permettront de reporter pour les années concernées des trimestres dans le cadre des parents au foyer. Là, la CARSAT ne pourra rien faire à ce niveau-là. Hein. Mais alors, pourquoi que je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous auprès de l'URSSAF où je pourrais expliquer mon problème? Je n'arrive pas à obtenir un rendez-vous parce que je ne suis pas commerçante, parce que mon ex-mari est à la retraite. Voilà, c'est ça, je tourne en rond. Alors que je comprends bien. En définitive, c'est simple, je me déplace, j'explique mon problème, ils vont bien me trouver, ils vont bien trouver les cotisations de mon ex-mari. Je vous invite à voir avec l'URSSAF directement. Oui, parce que là, on ne va pas pouvoir, malheureusement. Faut joindre l'URSSAF et on comprend un peu votre détresse et que c'est que soit un petit peu compliqué, là, Anne-Marie. Bon courage, en tout cas, à Sablanceau. On va terminer, oh là là, mais qu'est-ce que ça passe vite, 9h57, il reste chrono, 2 minutes tout rond d'émission avec Janine de Saint-Palais. Bonjour Janine, résumez-nous votre question. Ah, on a perdu Janine, me dit-on. Alors, une histoire de retraite des indépendants, de son mari décédé, qui doit passer par la CARSAT. Alors, j'ai pas la question, du coup, ça va être difficile de pouvoir la traiter. Voilà, justement, ça va nous permettre de clore. Exactement. Donc, ce qui est important, c'est que la retraite de réversion n'est pas automatique, c'est à vous d'en faire la demande, hein. Vous devez faire les démarches. Si vous avez Internet, depuis le mois de juillet, vous avez possibilité d'aller sur le site www.info-du6retraite.fr pour faire votre demande de réversion en ligne. L'avantage, c'est que si votre conjoint a cotisé auprès de plusieurs régimes, vous faites qu'une seule demande, vous fournissez qu'une seule fois les justificatifs et elle sera transmise à l'ensemble des régimes. Si vous n'avez pas Internet, vous pouvez contacter pour la partie CARSAT le 3960, pour la partie des retraites complémentaires le 0820 200 189 et un conseiller pourra vous accompagner dans la réalisation de ces démarches et éventuellement vous proposer un rendez-vous avec un conseiller retraite. Et voilà qui est clair et bien résumé. Un petit mot à ajouter peut-être, François Galochet, des retraites complémentaires? Oui, bien retenir que ce n'est pas parce qu'on n'a pas droit à la reversion de la CARSAT, du régime sécurité sociale, qu'on ne peut pas bénéficier de la retraite à GIRC-ARRCO. Donc bien dissocier les deux, les conditions sont différentes, ça peut être non d'un côté, mais oui pour nous. Et puis j'ajouterais que forcément vous tous qui nous avez écoutés, vous avez peut-être pris l'émission en cours de route et vous êtes dit, ah, ça m'intéresse, je suis carrément concerné par tout ça, si vous voulez réécouter tranquillement tous les conseils qui ont été donnés par François Galochet des retraites complémentaires, par Caroline Baudry de la CARSAT, vous inspirer un peu des questions qui ont été posées par les auditeurs et les auditrices, vous pouvez réécouter tout ça tranquillement en vous connectant à notre site internet francebleu.fr. Merci à tous les deux, Caroline Baudry et François Galochet. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Retrouvez cette émission sur francebleu.fr. Elle se prépare.